Moi, c'est Ibrahima Sori Cissé, deuxième vice-maire de la commune de Matoto. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas à la commune de Matoto? Pourquoi vous demandez le départ du maire? Il y a eu beaucoup de contradictions entre le maire et nous. Quand je dis nous, nous qui sommes les vice-maires et les conseillers. Depuis 2 ans et demi qu'on est à la commune, à la tête de la commune de Matoto, sincèrement, les conseillers communaux et les vice-maires ne sont associés à rien. Donc on s'est plaint de la gestion très opaque de M. le maire, du manque de transparence et de lisibilité. C'est ce qui nous oppose. Rien ne nous oppose que cela, parce qu'on ne veut pas être comptable de ce qui va advenir demain. C'est pourquoi on a pris la sage décision de nous désolidariser de lui aujourd'hui. Ok, mais selon des informations qu'on a reçues, premier vice-maire et en même temps chef quartier de Faban. Je suis deuxième vice-maire plutôt et président du conseil de quartier de Faban depuis une dizaine d'années. Oui, on vous accuse notamment de la vente de certains parcelles là-bas, que c'est cela que vous avez voulu que monsieur le maire cautionne ça, que c'est ce qu'il n'a pas accepté. Bon, monsieur le maire ne peut pas vous le dire. Parce que ça a été dit, ça, l'imaginaire des gens ne m'intéresse pas. Mais ça a été prouvé combien de fois sur le terrain. Même un demi-mètre carré, on ne me reproche pas. Ce n'est pas ce qui nous lie, ce n'est pas ce qui nous oppose. Ce qui oppose M. le maire, c'est avec tous les conseillers, les 44 conseillers, prioritairement. Et hier, il y a eu une pétition où une trentaine de conseillers ont signé. Donc, ce n'est pas un problème de chef de quartier. Il m'a trouvé chef de quartier, mais nous sommes venus ici ensemble. Ce qui nous lie ensemble ici, c'est ce qui est préoccupant. Moi, le conseil de quartier, c'est peu mon problème parce que je suis irréprochable jusque là où je suis assis. Est-ce que vous êtes aujourd'hui au gouvernement de Kaloum? Il y a 2 heures de temps, on était avec madame la gouverneure qui nous a produit de sages conseils. Qui était surprise de voir ça sur le net, sur les réseaux sociaux. Vous journalistes, vous avez fait écho de cela. Ça l'a dérangé un peu, et il a raison. C'est ainsi, en mère de famille, elle nous a fait venir au gouvernorat pour nous prodiguer de sages conseils. Que si l'on ne prend pas garde, on sera tous perdants, parce qu'il y aura des délégations spéciales partout, si nous ne nous entendons pas. Il y aura des délégations spéciales partout si nous ne nous entendons pas. Donc, c'est ce que Madame la gouverneure a dit. Elle a prodigué des sages conseils et à nous et à Monsieur le maire de faire beaucoup attention, de mettre la balle à terre. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accorder un temps d'observation pour Monsieur le maire. Si ça continue comme ça, elle prendra des dispositions utiles. Parce qu'en tout cas, il faut que tout marche bien. Donc, on a décidé de ne plus continuer à nous regarder comme des chiens de faïence. C'est comme l'ouragan qui passe tout raclé. La crise a été une crise momentanée. Je pense qu'elle est un peu derrière nous. C'est suspendu, c'est pas fini, mais c'est suspendu pour le moment. Parce qu'on reste derrière la nouvelle autorité, surtout une femme qui est nouvellement gouverneure de la ville de Conakry. On est obligé d'endiguer les tendances jusqu'à ce que vraiment elle-même elle apprécie positivement ou négativement ce qui est en train de se passer à Matoto. En tout cas, on a attiré son attention d'être vigilante, de veiller sur tout ce qui va se passer à Matoto. Merci, monsieur. Je vous en prie, mon cher. Merci.